Bonjour, bienvenue sur Topo Rando. Pour cette nouvelle sortie, j'ai choisi de vous emmener en Isère, entre Grenoble et Chambéry, dans le massif de la Chartreuse. Découvrir l'itinéraire singulier qui mène au magnifique cirque de l'Alpe du Seuil. Le départ de cette rando s'effectue depuis le col de Marcieux à 1065 mètres. Après une belle mais raide montée en forêt, le sentier rejoindra la clairière de l'Alpette à 1450 mètres. Puis, toujours sous le couvert des arbres, le sentier nous mènera au pied d'un magnifique cirque naturel. De nombreux lacets nous permettront de traverser les gradins rocheux de ce cirque, avant de rejoindre le passage de l'Alpe du Seuil, terminus de ce parcours qui offrira un beau point de vue sur les alpages des hauts plateaux de Chartreuse, ainsi qu'un panorama de toute beauté sur le massif de Belledonne et jusqu'au Mont Blanc. Après avoir rejoint la petite station du col de Marcieux à 1065 mètres, on s'élance en direction du passage. Indiqué en 2h45, on débute sur le petit bout de route marqué jaune et rouge du GR de Pays des Petites Roches. Au niveau d'un virage et environ 500 mètres après le départ, on quitte la route pour suivre le petit sentier de droite qui s'enfonce dans la forêt. Malgré la faible distance, cette rando est assez exigeante. Les pentes que nous allons emprunter sont assez raides et vont nécessiter un bel effort. 800 mètres après le départ, on arrive à une première bifurcation. On suivra cette fois-ci la direction de l'Alpette indiquée en 1h05. Toujours sur le GRP, on prendra soin de ne pas confondre avec les marques de l'exploitation forestière. Rapidement, le chemin vient couper les pistes de ski alpin du petit domaine du col. Ce qui va nous offrir un premier point de vue sur le cirque que nous rejoindrons un peu plus tard, ainsi que sur les hauts sommets du massif de Belledonne. Toujours sous le couvert de la forêt, le chemin se redresse progressivement. On coupe la piste forestière et l'on approche de la réserve naturelle des Hautes Chartreuses. Ce qui implique quelques restrictions, mais ce qui nous permet de savourer pleinement ce que la nature a de plus beau. À 1450 mètres, et après une raide montée, on arrive à l'Alpette. On sort provisoirement du couvert des arbres, ce qui permet d'avoir une première idée sur le cirque rocheux que nous allons devoir franchir. On reprend l'ascension en faisant face à cet hémicycle qui permet lors de la transhumance à plus de 300 mètres d'accéder au haut plateau. Difficile à y croire, mais c'est pourtant la réalité. C'est l'un des rares passages avec le col de l'Alpe qui permet de laisser passer les troupeaux. Mais nous découvrirons tout ça un peu plus haut. Vers 1620 mètres, on sort définitivement de la forêt et l'on découvre les premiers bastions rocheux calcaires magnifiquement sculptés. Vers l'est,
Belzoun se dévoile. Mais malheureusement, les nuages sont également de la partie. Comme d'ailleurs les nombreux parapentistes qui s'en donnent à cœur joie en longeant les étonnantes falaises que nous allons gravir à l'aide de nombreux lacets et de marches taillées dans la roche. Pied du cirque, le chemin s'élève rapidement, sécurisé par des barrières et autres piquets de bois qui nous rappellent que ce passage est surtout prévu pour les bêtes lors de la transhumance. Ce parcours est de toute beauté, et malgré le caractère un peu impressionnant de cette montée, elle s'avère finalement bien plus facile que prévu. Et si vous êtes bien attentif, vous croiserez certainement les marmottes qui profitent de la vue, ainsi que des nombreux chocards à bec jaune qui viendront certainement quémander un petit bout de votre sandwich. Mais vous bénéficierez surtout d'un bon premier point de vue sur les falaises abruptes de la Dent de Crolle et du Dôme de Belfond. Après de nombreux lacets, on vient soudainement buter sur le dernier niveau de la falaise. Mais la nature étant bien faite, un confortable chemin quasi horizontale, va permettre de longer et de contourner ces falaises calcaires, toujours protégées du vide par une clôture ininterrompue qui sécurise la montée des bêtes en alpage. Pendant quelques centaines de mètres, on continue sur ce sentier qui épouse les falaises tout en dominant le cirque que nous venons de franchir. Puis, le sentier compte une ultime tour avant de rejoindre une dernière série de lacets. On découvre notre objectif du jour. Puis, on s'engage dans les derniers lacets avant de rejoindre un couloir resserré qui va nous permettre de déboucher à ce célèbre passage de l'Alpe du Seuil. Et sur l'immense alpage suspendu du vallon de Marcieux, fermé par le col de Belfond et encadré par les crêtes des Lances de Malissard et de l'Alpette. Situé à seulement quelques mètres, on rejoint la croix qui nous offrira par temps clair un panorama de toute beauté. Allant du Mont Blanc aux hautes cimes du massif de Beldon et qui domine la vallée du Grésivaudan. Malheureusement, la météo du jour dissimule les plus hautes cimes du massif. Côté ouest, ce sont les crêtes de Malissard qu'il est d'ailleurs possible de rejoindre et de découvrir une étonnante inscription romaine. Il est également possible de rejoindre le col de Belfond et les lances sud de Malissard. Mais pour cela, il faudra attendre la fonte des derniers névés.
Il est également possible de poursuivre la découverte en se laissant déambuler le long des falaises et de découvrir d'étonnants arches et sangles vertigineuses comme celle du mont Pinet. Il est temps de reprendre le chemin en sens inverse. Pour résumer, il faut entre 4 et 5 heures pour réaliser en aller et retour les 765 mètres de dénivelé. Réalisable même en raquette l'hiver, cette rando ne présente aucune difficulté technique. Seule la raideur des pentes rend l'ascension assez exigeante. Mais le caractère assez unique du cirque traversé et la vue par beau temps valent bien les efforts consentis. En fin d'automne ou en hiver, vous aurez certainement la chance d'être au-dessus de la mer de nuages, ce qui rendra unique cette ascension. C'est ici que se termine cet itinéraire. J'espère vous avoir donné l'envie de parcourir ces sentiers. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche afin de ne pas louper les prochains épisodes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Toporando.